السلام عليكم. أيوة، أنا كونجر أي أسني هنا مالي دا بوركينا فاسو دا نيجر سكاي أوديون سغا نواد شوغا بانكا ساتشانا كين جون فين كاساشين البركة تنتارون سين أفريك كارونا ترى Prime Minister Burkina Faso, le Prime Minister de Niger Ali Mohamed Lamine Zen, de Kumana Tawagana Kassar Mali, Kamende Kutigan Meda, de Kutikiwan Rohoto, de Gidan Television de Kassar Mali, RTM. Également le Président qui nous a donné des conseils, qui a donné des indications et des instructions pour que les travaux en cours pour renforcer cette confédération soient accélérés. C'est pour ça que nous sommes venus voir notre président commun, pour que cette coopération soit renforcée. Il faut se dire que si une coopération existe, les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leurs intérêts. Et la Chine, naturellement, qui a un penchant pour le continent, défendra toujours ses intérêts. C'est pour ça que nous avons dit, nous devrions parler pied à pied, défendre nos intérêts et faire en sorte que la présence de Chine et un impact réel sur le développement, le progrès de nos pays, sur nos populations. Donc c'est un langage commun que nous avons déjà tenu dans les réunions bilatérales, mais très certainement un langage qui sera tenu lorsque l'espace sera encore plus ouvert. Nous ne sommes pas venus pour tendre la main. Nos pays regorgent énormément de ressources, des ressources humaines, des ressources naturelles. C'est de voir comment, avec ce grand pays, la Chine, qui a trois qualités essentielles, c'est-à-dire l'effet positif de leur révolution, le changement de leur mentalité, l'ordre et la discipline, et le travail. Et nous sommes aussi témoins de tout ce qui a été fait en l'espace de quelques années, et pourquoi pas les richesses que nous avons, que ce pays qui a de l'industrie vienne investir davantage chez nous. Donc nous venons totalement décomplexés, vendre ce que nous avons et demander à la Chine de se mettre à la disposition des pays africains, notamment l'AES, pour que la construction se fasse, en tout cas dans le respect de nos engagements et dans le respect de nos intérêts mutuels.